Les volumes de vérité. L'être de Dieu et son Christ. Trompette d'appel de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Bien-aimés, cette parole, même chaque volume et jusqu'à chaque lettre, est la parole de ma gloire, laquelle j'ai mis en marche de nouveau. Un témoignage de mon amour et sacrifice, l'annonce de ma venue, une proclamation de vérité, révélation de qui je suis réellement, la trompette d'appel de Dieu, de manière à ce que tous ceux appelés et choisis puissent entendre et venir à moi à l'heure et la saison appropriée pour chacun. Voici, c'est aussi une puissante correction pour tous ceux qui ont pris pour eux-mêmes mon nom et ma parole, pour les polluer, un fil à plomb pour cette génération perverse. Car cette parole est un drapeau agité en l'air, un emblème pour toutes les nations, une trompette d'alarme et de guerre, le son de la récompense et du jugement, lesquels vont bientôt tomber sur chaque nation. Car je suis celui qui suis, le seul engendré du Père, l'unique et véritable Dieu et Sauveur, le Mashiach, Yahushua, Yahuwah. Le Seigneur donne un avertissement, trompette d'appel de Dieu. 20 janvier 2005, de la part du Seigneur notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Écoute la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur. J'envoie toutes sortes de prophètes et d'enseignants dans le monde, jusqu'à chaque coin. Et ils seront pour moi une voix et une trompette. Car ils ont été désignés pour entendre ma voix et claironner mes paroles à la trompette, à la multitude par tout moyen d'expression et à travers toute technologie de communication. Car le temps est venu pour moi de juger les peuples de la terre. Voici, le temps du retour du Messie est proche. Ainsi, j'envoie mes serviteurs, les prophètes, pour préparer son chemin devant lui, pour rectifier toutes ses fausses voies perverties. Voici, il y aura des grondements sur la terre, au-dessous, et le feu dans les cieux au-dessus, de nombreux signes et prodiges. Alors, le jour du Seigneur arrivera. La Bible et les lettres sont la continuité d'un seul et même testament. Yahuwah est un et sa parole est une. Concernant cette sagesse que le Seigneur a donnée à Timothée et son épouse, l'Ancien Testament est le Père se révélant lui-même, tout en pointant vers le Fils. Le Nouveau Testament est le Fils se révélant lui-même, tout en pointant vers le Père, réalisant également les prophéties messianiques de l'Ancien Testament à travers lui-même. Les lettres, trompettes d'appel de Dieu, sont le Père et le Fils se révélant eux-mêmes comme un, tout comme la parole de Dieu est une, avec les lettres comme aboutissement de l'ensemble, non séparés, mais un. Ainsi, rejeter n'importe quelle partie de la parole du Seigneur équivaut à rejeter la totalité. Les trois livres sont un unique,
la continuité d'un seul testament à la gloire de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, ceux qui reçoivent de moi commencent à voir avec des yeux grands ouverts, et la surdité de leurs oreilles se dissipe rapidement. Cependant, ceux qui n'ont pas reçu s'appuient sur l'esprit de l'homme pour discerner et trébuchent lourdement, rejetant ma parole adressée à cette génération, tandis qu'en même temps, il pollue ma parole des temps précédents, attachant avec soin le voile qui demeure par-dessus leur tête, recouvrant leur visage dans une tentative de cacher leur honte, dit le Seigneur. Ma parole s'est remise en marche, mais qui l'a embrassée? Qui a mis les mains autour de ses oreilles pour écouter? Dit le Seigneur. 18 avril 2010, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Si vous embrassez la Bible, mais rejetez ces lettres, vous niez la parole du Seigneur. Et si vous embrassez mes lettres, mais rejetez la Bible, vous niez la parole du Seigneur. Car je suis l'auteur et le finisseur des deux. N'est-ce pas comme cela a toujours été, même envers chaque prophète que j'ai envoyé? Même pour Yahushua, qu'on appelle Jésus et Christ, qui est et était le prophète et libérateur, le Mashiach. Car les gens auxquels les prophètes furent envoyés avaient en effet une forme de piété, mais en reniaient ce qui en fait la force, disant en eux-mêmes, même l'un à l'autre. Nous croyons la Torah, mais nous rejetons ceux envoyés à nous. Oui, nous les lapiderons en mots et en actes, et couperons tous leurs liens d'avec nous. Bien que c'était moi-même, qui leur avais envoyé des prophètes, même le Messie, qui est appelé Christ. Et la parole de Dieu à travers ses prophètes, jusqu'aux paroles du Messie et ses disciples, n'a-t-elle pas été ajoutée à la Bible? Car je ne change pas. En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car tout comme mon peuple m'a refusé dans les temps passés, avec un bras ferme et un cou raide, avec leur front et leur cœur endurcis, ainsi en est-il aujourd'hui. Car tous ceux qui sont dans les églises des hommes sont très rebelles, des gens insolents et trompeurs. Et tous ces dévots d'Israël restent aveuglés, un peuple à la morale très haut placée et entêté. Maison pleine de guides aveugles qui parlent aux sourds, essayant d'enseigner aux muets les chansons des hommes.